Allô? Oui. Non, je sais pour les frères Mariano et tout ce qui leur est arrivé. Ne t'inquiète pas, je vais régler le problème. Hey, papé! C'est Tintin! C'est nous, les cousins du sud, là! Papé, il y a quelqu'un qui klaxonne. Allez, papé, debout, réveille-toi. Oh, Fatch, je, on peut pas faire la sieste tranquille, là. Parfois, lors de ces réunions, on me demandait de filer dans ma chambre pour ne pas entendre les discussions d'adultes. J'en profitais pour les écouter en douce et me changer. Marga se mettait alors très en colère. Oh, papé, tu as investi dans le luxe. Oh, c'est pas mazé, là, ton affaire. Tu crois que j'ai rien foutu depuis l'époque des Gardini? Que je me suis endormi sur mes lauriers? Mais pas du tout, c'est ma galerie ici. Oh, papé, je voulais pas te fâcher. Mais tu m'as pas fâché. On va poser nos affaires. Après, on boira peut-être un pastaga. Et puis, si tu veux, on tchatchera des bons vieux temps. Ça te va comme ça, comme programme? Oui, on parlera de bons vieux temps, mais on n'en parlera pas devant la gamine parce qu'elle répète du tout à sa mère. C'est un vrai perroquet. Voilà. Et on en parlera, mais que toi et moi, tu vois ce que je veux dire. Ok, parfait. Alors, c'est bon. T'inquiète, papé, Rocco et moi, on est comme des tombes, des huîtres fermées, des portes de prison closes. Et tu sais, papé, la tchatche, c'est pas mon point fort. Muet je suis, muet je le reste. Ne fais pas de soucis, je suis fidèle à l'amitié. Tu es un homme fier, je tournerai malade avant de dire n'importe quoi. Oh, Rocco, t'as fermé ta gueule, Nonzon. C'est pas pour bouffer dans la gamelle des branquignoles. Alors aujourd'hui, on met la clé du passé dans la boîte à oubli. Hein, cousin? Qu'est-ce que t'en penses? Hé, hey, bande de bastards! C'est pas mes années avec Falcone et Valentini, au star qui vont me faire gerber des noms. Je ne suis pas une balance. Ma conscience est tranquille. Dis tonton, c'est une vraie arme que t'as là sur le lit? Vous êtes bien de foutu emmerdeur, parole de Corse. Ce n'est pas ici ni ailleurs que je joue au baltringue. S'il y a des choses que je sais ou que l'on me soupçonne de savoir, je le garde pour moi. Faut pas cracher par terre, Oro. Si maman elle te voyait, elle te découperait tes oreilles. C'est pas bien, tonton, de faire ça à la maison. Mais la môme, oh, tu prends bien de la graine. Il vaut mieux pas avoir les oreilles de ton oncle que son zizi, hein. Hé, hey, dis-moi, ta mère, elle travaille toujours, c'est le boucher? Bah ouais. Quand je serai comme mon papé, je zigouillerai tous ceux qui cracheront par terre. Ça va aller dans la môme. Bon, les chauvasses. Va pas falloir vous rouler des cigares, comme vous avez l'habitude de le faire avec vos mauvaises manières, devant la petite hôte. Elle a raison, la môme. Quand vous étiez petit, il vous a manqué les fessées de vos pères, hein. Oh, c'est pas bien ce que j'ai fait, je l'avoue. Et si le mal est fait, il est trop tard pour réparer. Mais papy, sinon t'as qu'à faire venir ta femme de ménage, elle fera du propre comme ça. Je vous attends ce soir pour le pastis, ici, au bar. Et soyez à l'heure. Allez, à tout à l'heure.